Alors pourquoi avoir choisi de participer à ce concours de plaidoirie? Peut-être qu'après, je n'ai pas choisi de participer. C'était obligatoire. Tout le théâtre, la littérature et la société ont dû se présenter. On a passé les présélections. Et puis, au début, le projet ne m'intéressait pas. Et en fait, au final, on s'y accroche. Et puis, une fois qu'on fait un journal, c'est énorme. Et puis, quand on arrive à Caen, on est soulagé. Et pourquoi avoir choisi de défendre cette cause? Parce que déjà les enfants, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ils sont plus jeunes que nous. Là-bas, c'est la guerre. Et puis, en plus d'être dans une situation déjà moche, on les exploite par-dessus ça. Enfin, je sais pas, j'ai entendu un reportage qui parlait des enfants de top. J'ai pas pu voir. Du coup, j'ai fait mes recherches. Et comment tu t'es préparée à plaider devant 3000 personnes? Franchement, je ne le dis toujours pas. Donc, je ne sais pas, en fait, la crise de stress était hier après. Il y avait René qui fait un travail énorme, qui est toujours derrière moi, me chouchouter comme une maman. Et si c'était à refaire, tu retenterais l'expérience? Ah, mais moi, je voulais déjà remonter là. D'accord.